بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 477 في صفحة الزهد وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه rapporté par سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال لجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاء لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة si dunya tiena valeur un lézel moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ما سقى كافرا منها شربة ماء aucun kafir parti bougain même un gosé de l'eau si dunya tiena valeur un lézel moustique pour Allah alors aucun kafir parti bougain même un gosé de l'eau alors dunya nous redéfinir dunya les sorti dans le mot dana qui veut dire un quelque chose qui bat. Le veut dire aussi, c'est que quand quelque chose bat, ça veut dire qu'il peine à valer. Alors, dunya peine à aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il peine à plus valeur qu'il y a un lézel moustique. Donc, un moustique qui veut dire, ba'ouda, un moustique, c'est un petit créature qui peine à aucune valeur et n'a pas les mêmes nuisances. Dunya pas même en avaler un moustique. Rasoul sallam in servi les ailes moustiques. Ça veut dire, moustique là sont en les ailes aussi. Dunya peine à s'avaler là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si dunya tiena même valer en les ailes moustiques, alors Allah particulier aucun kafir gagne même en gozer de l'eau. Alors ce hadith là est une version que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pémorsés qui sont en sahaba, les trouvent dans la rue. Et là, un animal qui fait une mort. Un mouton, c'est un cabri qui fait une mort. Donc, ils nous étaient dans le coin de la rue comme ça. Et quand une mort, il commence à gonfler, vous connaissez, donc là, sur les pieds, lève là-haut. Donc, c'est un animal qui commence à décomposer. Alors, il dit à ce sahaba, ces animaux-là qui valaient, il n'a plus son maître. Il n'a dit tout valait ça. Dunya, peine plus valeur que ces animaux morts là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Léla, Rasoul sallam, lui mentionne sa bout là qui si dunya tiena valeur même les ailes en moustique auprès d'Allah, alors un kafir parti pour gagner même un gosé de l'eau pour boire. Si nous en des animaux morts comme ça, alors qu'arrivé, les chiens viennent manger, les bébés viennent manger, nous cassent la tête. Non, nous ne pouvons pas casser la tête. Manger. Mais ces animaux-là, bon, nous trouvons une petite maladie, nous vous prenons les comptes. Si nous avons bon la viande, une fourmi, nous pouvons les coster avec ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est tellement pas donne valeur à sa dunya-là qui dit kafir, kafir, mushrik, c'est lui qui peut adorer l'autre apport Allah, c'est lui qui peut mal parler Allah, c'est lui qui peut faire rébellion contre Allah, c'est lui qui est dans l'immoralité. Alors tout ça, dit Moula, je ne mérite pas Allah sur Rahmat, je ne mérite pas Allah sur Rizq. Mais c'est moi Allah que je te prends. Tamatta'u qalilan. Enjoy un petit peu. Après, là, je te prends, je te prends. Donc, ça montre nous ça. Dunya qui valait l'yena auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, expression, les ailes moustiques là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les servili, dans les autres hadiths encore, il y a un monde qui a un monde qui rendre compte. Et le monde là, il s'amine, il est avouim, ça veut dire il est plein, il est gros. Et en même temps, il est grand. Donc, grosseur et grandeur, c'est ben quelque chose qui est capable d'avaler dans dunya. Ça veut dire le monde là, dans dunya, il pensait, il est correct, il pensait, il est grand. Mais, comme Rasoul sallam dit, le temps où il rendre ce compte, il y a un monde qui a un monde. Pour peser et pour trouver les peines à plus valer qu'il y a les ailes moustiques. Sa quantité qu'il y a donne, les grandeur. Dunya qui embellit, dunya qui embête, dunya qui fait croire qu'il est grand, qu'il est samine, qu'il est avim. Mais quand il finit rend compte auprès d'Allah, étant une peser, il trouve qu'il n'est pas vaut plus qu'il y a les ailes moustiques. Dunya
li kon sou realite li. Li konen ki kantite li pe nan vale a. Alo ki li fè li anbeli a li menm. Li anbeli a li menm, li la li anbet ban di moun ki la dan. E dounia zame li fè wafa avèk an di moun. Tout le temps li trahi a di moun la. An di moun mil li pou mou pou dounia. Li pou sakrifye tout se ki li enan pou dounia, dounia zame pou ran li justice. Arrive un moment dans la vie, dounia pour l'orgli, dounia pour flèche. Jamais personne capable de dire qui m'a fin donne dounia valeur et dounia en retour fin faire justice avec moi. Non, besoin d'un moment donné que dit mon là pour dire ben dounia fin trompe moi, dounia fin embête moi. Même s'il est ici, il y a beaucoup de fois dans le dounia, dit mon réalise lui, que ça tout ce qui m'ont fait là. Qu'est-ce qui m'ont gagné? Ben, moi, j'ai aucun goût avec la vie. Comme une fois, nous t'en disons, j'ai aucun goût avec la vie à ce terme. Ou soit, quand il arrive sur la mort, qu'il dit ça, ou soit, il peut pas même réussir d'y aller. Il finit, arrive la mort, là, il réalise ça dans le kabar, là, il réalise ça, il y a au monde qiyama. Important là-dedans, c'est qui? Quand est-ce qu'il nous réalise ça? Quand est-ce qu'il nous réalise qu'il donne là fausse ça? Donne là, il trompe ça? Nous devons faire une façon qui, quand nous réalisons ça, il n'est pas trop tard. Quand nous réalisons ça, il n'est pas trop tard. Dounia là, il est infini en val. Nous, quand il est là, nous n'avons tassé quatre côtés, nous n'avons plus connu qui pour faire. Alors, avant qu'il nous rentre dans sa situation là, nous donne Dounia là sur place. Nous réaliser qui place Yéna. Et là, nous réaliser, mais qui est-ce qui a fait, est-ce qui nous disposé à sacrifier à cause de sa Dounia là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la peine qui nous sacrifie à cause de sa Dounia là? Est-ce qu'il nous capable de sacrifier nos dîmes à cause de Dounia? Nous capable de sacrifier nos akhirat à cause de Dounia? À cause de quelque chose qui par vous même les ailes moustiques? Donc ça c'est une réflexion qui est bien bien importante. Quand nous avons pour choisir entre quelque chose qui supposément paraît joli, paraît bon dans Dounia, avec nos dîmes, avec nos akhirat, là nous pensons ça. Mais est-ce qu'il m'a pu sacrifier Dieu, m'a pu sacrifier Akhirat pour une quelque chose qui peut paraître joli là, mais qui, en réalité, n'est pas vaut plus qu'un les ailes moustiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, comme on fait entendre dans le surah Al-Ma'arij, « Yawaddu al-mujrim » Al-mujrim, c'est un criminel. Ça veut dire un démon qui ne fait pécher l'eau la terre. Il ne fait crime envers les autres, il ne fait crime envers... Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut faire dito à Allah. Mais seulement, je te fais l'injustice, je te fais shirk, je te rébeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Un kafir. Alors, ça va dire, là, yawaddu al-mujrim. Au mujrim, là, les types ont envie. Quand il arrive, yawmul qiyama, les types ont envie, yawaddu. Yawaddu al-mujrim, law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani. Pour qu'il y sauve lui-même depuis sa azab là, sa punition là, les types ont envie de sacrifier ses propres enfants. Les enfants qui étaient ça, dunya ça. Les enfants, madame, richesse, tout ça là, dunya ça. Il ne faut pas nous mal penser, les enfants, madame, tout ça là, hein? Nous besoin qu'on mette d'autres dans cette place. Mais c'est dunya ça. Nous capables, il y a certains éléments dans dunya, nous travaillons d'autres, quand je devine ban, à 7, je devine ban, capital pour nous pour akhirat amanat ça mais en même temps ça va quelque chose là il est capable risque nous dans dunya une façon que de faire nous perdre nous akhirat Allah dit dans le Coran la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah je dis bien je dis enfants tout ça là fait une manière qui ça n'a pas risque de tirer je depuis dans zikrullah alors ça dit mon là yaumul qiyamah pour lika sauver depuis de ça quand il get sa punition là pour lika gagner le salut qu'il fait les pour content pour sacrifier ses propres enfants wa sahibatihi wa akhi les pour sacrifier son madame son compagne les pour sacrifier son frère wa fasilatihi allati tuwi les pour sacrifier son clan ça veut dire son famille son l'environnement son clan qui fin protège lui qui fin donne lui refuge ça aussi les pour sacrifier يوم القيامة ومن في الأرض جميعا et tout ce qui est la terre pour qui ça dit mon là capable de sauver يوم القيامة les pour sacrifier tout ce qui est dans la terre au dunya donc get valeur dunya ina la terre nous connaissons nos enfants nos madame nos familles nos clans nos pandimon qui
Ça, c'est nous construisons nous les mots tous autres. Mais qui va aller ça ena? Yaumul Qiyama, ça mudrim là, les pour disposer sacrifier tous jusqu'à ses propres enfants pour les pas gagner ça azab là. Allah qui va aller ça ena? Kalla, Allah dit non, ça pas moi c'est ça. Si on a envie de sacrifier, l'eau la terre même fait sacrifice là. L'eau la terre même fait sacrifice là. Et sacrifice là, pas besoin de mettre couteau l'eau la gauche. Sacrifice là, c'est tout simplement un choix. Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer nous si mais là, fin mettre li facile l'eau nous, nous juste besoin choisir. Pas besoin faire grandes affaires ça. Dunya li comme ça. À ce là, Allah subhanahu wa ta'ala il met ban être qui n'a valeur l'eau dunya. Man quelque chose qui n'a valeur l'eau dunya. Et n'a man quelque chose qui n'a valeur l'eau dunya. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, là, il n'a valeur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, une façon de dire, il prend compte. Là, il dit, comme on nous lit dans le surah Wadduha, wa rafa'na laka dhikrak, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous fin élève te dhikr. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il fait éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, qui n'a valeur. Allah sur kalam, Allah dit, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu la hafidhun, nous nous fin faire descendre ça, dhikr, Coran, et nous nous protégeons. Donc ça n'a valeur, Allah lui prend l'engagement pour protéger le Coran. Et Allah subhanahu awliya, ça veut dire, man dimon ki, je t'incon dunya sur vrai visage. Je t'pan rentre dans tromperie dunya. Je t'con met dunya dans sa place. Et je t'con valeur din, je t'con valeur akhirat. Je t'in donc finalement sacrifier je net pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est man awliya. Et ça man là, il a valeur pour Allah. Et quand il a valeur pour Allah qui est arrivé, comme Allah dit dans le hadith wali, man azali waliyan, c'est lui qui fait dito à un mouban wali, mouban awliya, man azali waliyan, faqad azantuhu bil harb, alors on déclare la guerre contre lui. Dunya ben a valeur ça, les ailes moustiques, mais n'a plus valeur que ça. Donc, kafir, prends ce qui t'en vit là-dedans, t'en vit à miser, fais ce qui t'en vit avec dunya là. Corrompli pas fait n'aille. Après, moi, boutrape-toi. Mais attention, ban aulia, ça y n'a valeur. Donc, n'a pas tous. Ça ban là, n'a pas fait dito. C'est lui qui vous fait dito avec un ban aulia. Alors, Allah vous déclare la guerre contre. Donc, ena ban être, qui n'a valeur, ena ban quelque chose, qui n'a valeur, alors la terre. Alors, dis mon intelligent. Qu'il y fait? Les mettre dunya dans sa place. Les obliger à vivre dans dunya, hein? Pas capable. Séparé net depuis dunya, un dimon lui dit, ben moi, je ne peux pas vivre la montagne, je vais couper avec tout le monde. Il n'est pas pour ça. Il est obligé, rentre dans dunya là. Il a besoin de son madame, ses enfants, sur la case, il a besoin de travail, il a besoin de l'argent, sinon comment il peut vivre? Comment il peut faire ibadat? S'il paye dans ça, s'il paye dans sa manzafé, il n'est pas pour faire ibadat. Donc ça, c'est un moyen. En même temps, il met lui dans sa place. Son but ultime, c'est akhirat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dis-moi, intelligent, il n'est pas laissé embêter par dunya, par embellissement dunya. Dis-moi, qui est intelligent, qu'il fait? Il identifie sa bonne quelque chose et que sa bonne être qui est na valeur pour Allah là. Il trappe zot. Il reste avec ce qui est na valeur. Léla, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner valeur. Léla, il pour gagner sa quelque chose, il pour gagner sa cime droite là, il pour gagner din, il pour gagner succès dans akhirat. Alors, nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taufik, vin respandi mon intelligent. Mette dunya dans sa place. Vive dans dunya, mais mette dunya dans sa place. Et que Allah subhanahu wa ta'ala montre nous si même un être qui est na valeur. Et qu'il garde nous le sassime là, qu'il donne nous zotte sohbat et qu'il fait nous lever ensemble avec zotte yaumul qiyama et qu'il fait nous rentrer dans jannat ensemble avec zotte yaumul qiyama. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين